appris à mettre la tête sur l'eau. Tu nous montres ? Comment tu fais ? À l'aise comme un poisson dans l'eau. À 5 ans, cet élève de maternelle de Poitiers profite d'une semaine entière d'immersion à la piscine municipale. Allez, super ! Super ! Les enfants, ils s'amusent, plus important. Puis, ils apprennent en même temps, donc c'est parfait, quoi. Apprentissage dans l'eau pour les petits et autour du bassin pour ses formateurs, sous l'œil d'un ancien champion poitevin. Frédéric Lefebvre anime la semaine expérimentale et donne des clés aux enseignants et maîtres nageurs. Comment accompagner un enfant qui a peur ? La peur, c'est une incertitude posturale. Comment je peux l'aider à surmonter cette incertitude posturale en lui donnant un nouvel espace disponible, ce qu'on appelle l'aisance. Des adultes aux petits soins pour cette classe de 25 maternelles. On voit que ils sont en confiance, il n'y avait aucun maître nageur dans l'eau, ils sont rentrés quand même dans l'eau. Au niveau du déplacement, ils sont autonomes, ils commencent à accepter l'immersion. Donc énormément de progrès depuis lundi matin. Signe de la volonté gouvernementale de développer ces semaines d'aisance aquatique, la ministre déléguée au sport salue l'initiative Poitevine. Mais si le dispositif aujourd'hui se met en place, avec aussi des facilités pour avoir accès aux équipements, puisqu'il s'agit aussi de petits-enfants qui vont vers l'aisance aquatique, donc de moins de besoins d'espace disponible, c'est aussi des modalités différentes d'organiser ces pratiques sportives en plus petits groupes et des bassins mobiles qu'on pourra aussi emmener directement dans les cours des écoles ou installer dans des gymnases à proximité des enfants. Prévention contre la noyade. L'un des buts de l'opération est de permettre à tous les enfants entrant en classe de 6e de savoir nager. Actuellement, ils ne sont encore que 60% sur Grand Poitiers.